nom de Jésus, lâchez cette grossesse. Lâchez la grossesse. Lâchez-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez-la. Libérez-la. Au nom de Jésus. Oui. 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 Vous avez échoué au nom de Jésus. Vous avez échoué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous avez échoué. La puissance de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci. Ce bébé est protégé. Sa grâce. Merci. Emma, il y a beaucoup d'enfants. Hein? Là, c'est une onction spéciale. De la fécondité. Emma, à toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Ce matin, je ne voulais même pas faire d'action. J'attendais le soir. Quand je regardais, je ne voulais pas faire d'action. Mais pendant que je parlais, je voyais que la sœur était en danger. C'est ça un peu le ministère prophétique. C'est le ministère de la voyance. Je voyais qu'elle était vraiment en danger. Il fallait maintenant déprogrammer. Amen. Amen. Vous savez, le système de la programmation, j'explique un peu. Tout ce que le hasard n'existe pas. Ce qui t'arrive là, c'est que ça a été déjà programmé. Or, si ce n'a pas été déprogrammé, à la date juste au moment juste, paf, ça tient ta vie. C'est pour ça qu'il faudrait que Dieu nous donne des dons. Il faut que Dieu nous équipe. Nous sommes la Pentecôte. Il faut que Dieu donne des dons spirituels à l'Église. Amen. Après, si l'Église doit résoudre le problème de l'ordre, on a l'impression que quand on est dans une Église, c'est vrai qu'on vient adorer Dieu, mais Dieu ne nous parle pas. On a des problèmes, il n'y a pas de solution. Or, l'Église doit résoudre le problème. Vous savez, le jour où Dieu a commencé à agir puissamment ici, même les musulmans ont cherché. Amen. Les Arabes ont cherché. Amen. 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 Moi, je me souviens qu'à Gaza, les Marocains qui jouaient après moi. Oui. On les intéressait, ils venaient, ils se cachaient pour prier pour eux. Or, quand vous avez l'onction, peu importe la persécution, le Messie sait que toi, tu as la solution. Ils s'en fichent. Donc, il faut que cette église, il faut que Dieu nous donne son onction. Amen. Qu'on a l'onction, ça veut dire rien n'est caché. On dit amen. Amen. C'est la Pentecôte. Dis à quelqu'un, c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Toi, comment tu t'appelles? Mal, ça va? Tu es guéri aussi? Oui. Assez? Sa association est guérie ou bien? Vous m'avez pris par ici? Oui. Comment on fait ça? Allez, il y a des manioc. Il y a manioc? Non, on mange avec la farine. Oh là là, ça va être dit, non. Farine. Oh, chez nous, on va y passer banane, c'est manioc. Brou, brou, brou. Ça va ça? Uh-huh. Une sauce congé. C'est beaucoup ces farines ici. Oui. Ça va dans les maladies? Non. Comment vous avez envie de manger, tu ne pas. Toi, tu vas servir Dieu. Amen. Elle va servir Dieu. Et puis, tu vas puissamment te bénir. Amen. Compris? Parce que le diable va vraiment. Viens, viens te faire quelque chose. Qui veut être béni ce matin? Amen. Tout le monde est prêt. Je vais te communiquer quelque chose. Hein? Tu veux être avec Dieu? C'est difficile, hein? Nous, mais chaque jour, nous persécutons. Moi, je suis déjà baptisé. Ça ne me dit plus rien. Plus il me persécute, plus il est dangereux. Je continue. Ce n'est pas facile. Tu vas te dire. C'est la continuité. Tu veux quelqu'un? Les gens vont.
pas ça bizarre? Comment un homme va donner? L'apôtre Paul a dit à Timothée, ne néglige pas le don qui a été donné par imposition des mains. Hein? T'allais faire clinique. T'allais faire clinique. Moi, je suis prophète, je demande. Dieu va te donner, c'est ce que tu veux. Mon sujet de prière, je te communique le don de la voyance. Dieu ne se répond pas de son appel. Dis c'est bon. Une fois, quelqu'un a dit, est-ce que le prophète, il est jeune? Est-ce qu'il va rester longtemps? Non, parce que vraiment, les sorciers. Il aurait dit, vous parlez, Dieu, il est bête. Il ne connaît pas la vie de quelqu'un. Il va s'investir en lui. Par exemple, faites les calculs, pensez au futur. Dieu a réfléchi à moi de m'envoyer ce don-là. Donc, moi, il est venu quand fatigué. Il ne faut pas t'inquiéter. Amen. Dieu ne se dépend pas de son don. Le don peut s'éteindre, c'est-à-dire ça peut s'éteindre. Mais quand tu réponds ta communion, ton contact avec Dieu, paf, ça se déclenche. Oui, c'est ça. Moi, je sais que tu vas t'utiliser. Qui veut être béni? Qui veut? Moi-même, je veux que quelque chose, se produise dans ta vie. Je veux que quelque chose se produise. C'est ton grave, là? Ok. Je veux que quelque chose se produise. Regarde ce que je veux faire. Tu as demandé un don de guérison, c'est ça? Dieu m'utilise pour guérir ce levada. Regarde ce que je veux faire. Ok. Laisse ton bras, tu vas voir. Ton bras seul va s'élever, seul. Et ça va monter seul. Ciel. La puissance de Dieu. Jésus. Oh. 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 C'est la Pentecôte. C'est le don que Dieu te donne. Oh Jésus. C'est la Pentecôte. Oh. Tu reçois le don. Malade au nom de Jésus de Nazareth. Jésus. Dieu a fait la grâce à l'Église. Dieu, la Bible nous dit qu'il y a divers les cités des dons. Dieu donne les dons. Et l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, ne néglige pas le don qui a été donné par imposition de main. C'est une grâce. Que soit ce don. Toutefois, qui t'imposera les mains à un malade. Que ce malade soit totalement guéri. C'est une alliance ce matin. Oh, à cette dame, je vais garder. Une alliance. Le papa, Communique. Glory of Saxus. Communique. Glory, glory, glory.
parlais en langue, tu venais de dire tout à l'heure. Je te disais tout à l'heure, je confirme ce que mon serviteur entend de dire. À partir d'aujourd'hui, me dit le Seigneur, c'est quelque chose, un nouveau départ avec moi. Désormais, quand tu vas imposer les mains malades, le malade sera guéri, quelle que soit sa maladie. Seigneur, pour ce don merveilleux. Merci de m'apporter tout ton choix ciel. Merci de la bénir au nom de Jésus. Merci de la bénir au nom de Jésus. Merci de ta grâce. Bénis sa vie. Est-ce que vous savez que je n'ai plus envie de prêcher sur la sorcellerie? C'est avant le soir. Est-ce qu'on veut être béni? C'est la porte de Dieu. Vous avez peur? Amen. Qui veut être béni? Qui veut que le Saint-Esprit le visite? Amen. Nous allons expérimenter quelque chose dans ta chambre. Bien. Tu veux être béni? Tu veux être béni? Le soir, on va prêcher un peu. Hein? Le soir, on va prêcher et après, c'est Pentecôte. Les choses sont en train de changer. Tu veux rester dans.
bouchon de bébé ici. Gâteau de bébé. Tous les mains. Nous allons chanter ce cantique. Le Saint-Esprit est il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Parmi nous. Seigneur, tu aimerais expérimenter la Pentecôte. Oui, que Dieu te bénisse encore ce matin. En t'accordant le réveil, en t'apportant l'assistance, en te donnant le don spirituel. Je voudrais que tu restes dans le monde. Je voudrais que le Seigneur te bénisse.
se tient debout. Tout le monde se tient debout. Levez les mains seulement. Levez les mains. Levez les mains. Pendant que levez les mains plus haut. Nous sommes à la Pentecôte. Quelque chose va se passer tout à l'heure dans ta vie. Quelque chose se passera tout à l'heure dans ta vie. Pendant que tes mains sont levées, le Saint-Esprit est en train de te visiter. Le Saint-Esprit vient jusqu'à toi et reçoit la visite du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu te touche maintenant même et quelque chose se produit. Reçois. Dieu vous communique son onction. Reçois. 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 Recevez maintenant la puissance de Dieu et Dieu délivre vos langues. Recevez les dons du Saint-Esprit. Maintenant même, pendant que vos mains sont levées, recevez la puissance de Dieu. Reçois, sœur. Reçois. 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 Reçois la présence de Dieu. Reçois quelque chose. Comment se passe dans la vie de cette sœur? Recevez la puissance de Dieu. Reçois. Reçois la puissance de Dieu. Regarde quelque chose en train de se produire dans ta vie. Depuis ta tête jusqu'à les plans de tes pieds. Depuis ta tête jusqu'à les plans de tes pieds. Quelque chose en train de se passer dans ton corps, dans ta vie. L'effusion de l'Esprit. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. Recevez la puissance de Dieu. Reçois. 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 Reçois, reçois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois. 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 Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Dieu te visite maintenant. Dieu te bénit. Reçois la puissance de Dieu. Reçois, ma sœur. Au nom de Jésus. L'Esprit te bénit. L'Esprit te bénit. L'Esprit te bénit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je délie ta langue. Je délie ta langue. Je délie ta langue. Je délie ta langue. Au nom de Baba, Shaka Baba, la Shaka Baba Baba. Au nom de Shaka Baba 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 Baba. Au nom de Shaka Baba Baba Baba. Parle en langue maintenant. Orabar Shaka Baba Baba. Orabara Shaka Baba Shiyon de Preza Baba. Orababa Baba 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 Shaka Baba. Orabara Shayon de Preza. Orabarion de Shaka Baba Baba. Orabarion de Shikiyon de Preza. Orababa Baba 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 Baba. Orabara Shaka Baba Baba. Orababa Baba Baba. Orabara Shayon de Preza. Fais toujours la main. Le Saint-Esprit vient jusqu'à toi et te bénit. Le Saint-Esprit vient jusqu'à toi et te bénit. Vous recevez la visite du Saint-Esprit. Les grâces du Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Ta main, merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour cette soirée que tu veux. Mettez-vous dans un rang, mettez-vous dans un rang. Voilà, mettez-vous un rang. Il y a plus de guérir si on dirait. C'est tout Dieu qui est ici.
Combien de mois, professeur? Il a 8 mois. 9 mois. 9 mois. Oui, ta maman l'a fait ce mois. Tu vas accoucher quand? Le 5 juin. Tu vas accoucher le 5 juin? Non, c'est pas encore ça, mais ça l'a fait moi. Elle est moins pour l'enfant. Elle a bien fait les choses sur tout ça. Il n'y a pas moyen. Pour vous, je vois trop l'esprit, la dépravation, la dépravation dans vos vies. Je vois trop ça. L'esprit.